Les amis, c'est Fruit de Bien, on se retrouve pour un nouvel épisode de Skullgirl. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Allez, on va aller en mode solo comme d'hab. Ok, bah là les amis, on n'a pas trop le choix. Je dois faire elle qui s'appelle Fukua et qui ressemble étrangement à justement Philia. Ok, je sais pas du tout qui c'est, donc c'est parti pour Fukua. Ok, ça commence comme ça. Ok, bon bah elle est en train de dormir. Alors peut-être qu'en fait les combats qui se passent là c'est des rêves. Oh, Miss Fortune, c'est quoi ça? C'est qui elle? On dirait Miss Fortune en robot. Oh, elle est trop stylée, putain. Oh, vas-y, j'ai trop envie de l'utiliser. Oh, elle a l'air d'être salement stylée. Elle est super classe, sérieux. Et Fukua est pas trop mal non plus, hein. Quand on regarde, putain, franchement, elle gère plutôt bien. Elle s'appelle Miss Fortune, mais elle est en robot. C'est juste énorme, putain, vous avez vu, elle m'envoie des lasers et tout. Donc les amis, je sais pas si après on va débloquer les autres personnages, mais si c'est des DLC, eh bien je les achèterai bien évidemment, vous inquiétez pas pour ça, pour qu'on puisse faire tout le jeu. Fukua pas mal, hein. Comme j'aimais bien Philia, Fukua là je t'avoue que tu vois, niveau combat, elle est vraiment cool, c'est un peu similaire à Philia, du coup j'adore. Ok, on enchaîne directement avec un autre combat. Alors je sais pas du tout en fait si c'est juste un personnage où on fait des combats, parce que l'histoire, bah voilà, elle commence, elle dort, et je sais pas si à la fin elle va se réveiller et qu'elle aura juste fait un rêve. Franchement, je sais pas du tout, c'est pour ça que j'ai hâte de savoir un petit peu la suite de l'histoire de ce personnage, s'il y a une suite, j'espère en tout cas. Oh putain, lui il a l'air balèze, c'est qui lui, sérieux? C'est la première fois que je combats un mec dans le jeu là pour l'instant, hein, depuis le début. Que bon, Skullgirl, voilà, comme le titre du jeu, c'est un truc avec spécialement des filles et j'ai raté mon truc ultime, ça m'énerve. Oh putain, il me fout une poubelle. Oh, il est pas mal, hein. Et putain, il est balèze, il est balèze, il est balèze. Encore que j'ai pas mal de défense là, parce qu'avec Simami, je trouve que je m'en sors plutôt bien. Oh putain, putain, les amis, allez, j'ai pas envie de perdre là. J'étais sur une bonne lancée avec le premier combat. Voilà, je lui mets des petits coups de pieuvre. Aïe, 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 aïe. Oh, ce qui m'a mis, putain, c'était sale. J'exige évidemment ma revanche. On va pas se laisser faire comme ça. Allez, c'est parti. Oh, mais putain, mais il me marre. Il est super fort. Il est. Mais arrête ça. Il est abusé. Il est abusé, lui. Lui, je pense que si à un moment donné on fait son histoire, je vais me faire plaisir avec lui, tout simplement, parce qu'il a l'air d'être super fort. Allez, il faut que j'en profite là. Il faut que je reprenne le dessus. Je peux pas avoir pas ses enchaînements. Putain, non. Il est trop chaud. Il est trop chaud. Oui, 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 oui. Allez, il faut pas que je me laisse avoir là, sérieux là. Oh putain, putain. Arrête, arrête. Mais arrête ça. Arrête. Il est abusé. Il est abusé. Il est abusé. Il a abusé. Je sais rien faire. Il m'enchaîne comme une merde. Je sais absolument rien faire. Putain, j'ai plus de vie. J'ai plus de vie. Non, je vais perdre. Je vais perdre. Je vais perdre juste à la fin. Oh oui. Oh putain, j'ai eu du bol. Pour une fois que c'est moi qui ai un coup de chance comme ça vers la fin. Oh, c'était chaud. Vraiment, c'était chaud. Ok, encore un combat, mais avec plein de personnages que je ne connais pas en fait. C'est génial ça. C'est tous des personnages que j'ai jamais vus. Ok, une meuf, on dirait que c'est un peu Cléopâtre comme ça. What the fuck. Putain, ils sont grave stylés en fait, les autres personnages. Ouais, j'ai trop hâte de pouvoir les utiliser. Ils ont l'air d'être super. Je sais pas du tout s'ils ont une histoire. Bah, j'imagine que oui. Mais on les a pas encore vus depuis le début. C'est vrai que Fukua, bah, on sait rien en fait sur elle. Elle ressemble étrangement à Philia, mais je sais pas du tout qui c'est. Ça tombe, c'est la cousine de Philia, j'en sais rien, ou c'est une copie de Philia. Mais en tout cas, elle se combat vraiment bien et les autres personnages sont super sympas. Ça me pousse encore plus à vouloir continuer à faire le let's play pour voir justement les autres personnages parce qu'ils ont l'air d'être darment bien. Allez, s'il te plaît, Fukua, Fukua. J'allais dire Philia parce que j'ai l'habitude avec Philia, mais c'est Fukua et pas Philia. Arrête, arrête. Non, mais c'est quoi cet enchaînement là? Allez, putain, les gars, il faut y arriver là. Les gars et les filles, il faut y arriver là, putain, je dois lui défoncer la gueule pour gagner là. Allez, c'est bon, là je commence vraiment bien, je suis super bien parti là. Allez, putain, si je me fais avoir par ces enchaînements, ça peut être la fin pour moi. Oh là là, j'ai géré là. Oh là 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 là, mais comment ça se fait que là je gère et le combat avant, j'ai complètement galéré. Imperfect, imperfect, on m'explique, on m'explique. Waouh, ça fait plaisir ça, putain. Elle n'empêche, les autres personnages qui sont grave bien. Et allez, what the fuck, c'est qui ça? C'est qui lui? Il est énorme. Oh putain, il commence déjà. Oh non, lui il va me saouler. Lui il va me saouler. Putain, vous avez vu comment il est énorme? S'il commence déjà à spammer, ça va pas le faire du tout. Ah, j'ai trop hâte de pouvoir utiliser ces personnages là. C'est qui, sérieux? C'est quoi leurs histoires? Bon bah tant mieux hein, les amis, au moins ça me motive encore plus à continuer le let's play. Je sais pas si vous aussi. Ah mais il est super fort. Arrêtez, j'ai l'impression que tous les premiers combats que je fais avec les nouveaux personnages, ils sont grave forts. Il me laisse rien faire. Il est énorme en plus. Oh allez quoi, mais c'est quoi ce truc? Bordel, il rigole pas. Hein. Oh putain, ça a rien à voir avec les combats des autres personnages d'avant. Hein. Franchement là, l'histoire de Fukua, on se combat mais contre des fous malades. Mais arrêtez ça, putain. Il me défonce complètement. Il est impossible. Il est impossible. C'est abusé. S'il te plaît, Fukua, s'il te plaît, putain. Malade. Il est tellement énorme qu'il me fait un coup de poing. Il me touche au bout de la carte. C'est abusé ça. C'est vraiment abusé, putain. Je sais pas comment faire. Je sais pas comment je vais m'en sortir là. Il est trop fort. Je sais pas du tout comment je vais faire. Là, je vous avoue que je suis un petit peu en difficulté, mais grave, ça va être tendu là. Ça va être vraiment tendu. Ah oh, putain. Mais arrêtez. Il y a trop d'abusivité.
d'habitude là, je sais même pas si ça se dit, je m'en fous. Allez ma Fukua, s'il te plaît, m'arrête avec ta cloche de merde. Mais il est abusé, mais pourquoi ils utilisent tout le temps des combos ultimes? Moi je sais même pas comment on les utilise en fait. Quand je les utilise, je fais même pas exprès. Là ça va être l'épisode de la rage, je le sens bien là. Avec un gland comme ça là, super badass, j'arriverai jamais. Allez ma Fukua, putain, j'ai plus trop d'espoir là, j'ai perdu trop de vie. Si seulement j'avais commencé directement comme ça. Ah là 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 là. Putain, s'il vous plaît. Putain, c'est trop chaud. Et arrête, je suis mort là, c'est bon, calme-toi. Allez les amis là, il y a peut-être une chance là. Il y a peut-être une chance là. S'il vous plaît, il faut que je continue les coups de pied. Ah, ces coups de pied par contre, à Fukua, ils sont grave bien. Oi 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 oi. Ah ouais, ces coups de pied, c'est de la balle. Franchement, désolé si je spam les coups de pied, mais c'est trop de la balle, ils sont super puissants. Oh, allez, tu dégages comme une grosse merde maintenant. Il y a quoi? C'est qui le meilleur? C'est pris. Celui-là, il m'a donné du fil à retordre, c'est abusé. C'est qui elle? Quingly? Oh, mais c'est génial, il y a encore plein de personnages en fait à découvrir. C'est énorme, sérieux. Vous avez vu tous les personnages? Ils sont grave sympas, ils ont vraiment un style bien particulier. C'est super. J'ai vraiment hâte de pouvoir les utiliser. Ah merde, j'ai raté mon combo ultime. À chaque fois, moi je les rate. Par contre, quand c'est pour les prendre moi, là tu vois, là on y va. Hein. Allez, faut quoi s'il te plaît? Allez, non, j'ai encore raté mon combo ultime. Je rate tout le temps, ça m'énerve. Allez, il faut que je la défonce celle-là. J'aurais pas trop vu son style de combat, mais là tu vois, pas le temps de niaiser là. Il faut que je défonce tout là. Il faut que je casse la baraque. Allez, putain, vas-y, vas-y, défonce-la encore. Un petit coup de pied là, c'est bon, y'a quoi là? Ça va petit à petit, je remonte là, tranquillou. Ouf. Eh, mais ça arrête pas. Ah non, c'est bon, je me combats justement. Contre Marie, ok, pas d'histoire en fait. Je suppose qu'à la fin je vais me réveiller. Genre si de rien n'était, ça va se terminer comme ça. Le personnage avec l'histoire, il a moins travaillé quoi. Je sais pas si c'est juste un petit personnage bonus, juste pour le plaisir de se combattre encore avec un personnage différent. Enfin différent, c'est une copie de Philia hein. Voilà, on va pas se le cacher, on est juste vert, c'est tout. Aïe 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 aïe. Marie, je suis sûr, tu vois, que je vais la battre du premier coup ou pas. Marie, je suis sûr que c'est limite la moins puissante de tous les personnages qu'on a combattu là depuis le début de l'histoire de Fukua. Enfin l'histoire, c'est même pas une histoire en fait. J'ai peut-être parlé trop vite là. Marie, elle reprend du poil de la bête. Ouais. Elle reprend du poil de la bête, j'ai parlé beaucoup trop vite. Marie veut encore me faire galérer un petit peu, voilà. Ce sera l'épisode de la galère. Oh yo 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 yo. Arrête Marie, s'il te plaît. Marie, tu dégages. Marie, non, bah c'est bon, je suis mort. C'est même pas envisageable que je puisse encore gagner. Bah voilà, elle m'a envoyé son petit squelette là. Allez Marie, il faut que je te défonce. Je vais lui spammer de coups de poing, de coups de pied, je m'en fous. Il faut que j'arrive à la voir. Aïe aïe aïe, elle me met quand même des petits coups comme ça en trait, tu vois, sans que je m'y attende en fait. Quand je suis en train de m'occuper à lui péter la gueule, tu vois, elle me met des petits coups par-ci par-là, voilà, comme ça, tu vois, et petit à petit, je perds de la vie. Oh yo yo yo. Oh ya ya, j'allais l'éviter en plus. Fukua, s'il te plaît, Fukua. C'est chiant ces trucs de long, mais. Ah, mais c'est presque impossible à éviter, putain. Je vais péter un câble. À la fin de la vidéo, je serai en PLS, là, j'aurais tellement pété un câble. Allez, c'est pas possible, je vais trop galérer. Là, Marie, tu vois, elle est en forme, là. Je me débrouillais quand même mieux avec Philia que Fukua. Hein. Alors, je sais pas si c'est une pâle copie de Philia, mais qui est moins puissante. Mais en tout cas, là, je suis plutôt en galère, j'ai pas à vous le cacher. Je le sens bien pour ce combat-ci, là j'ai bien commencé, c'est parfait, j'ai l'avantage de la vie. Allez, il faut que j'évite absolument ses ombres, j'en profite de la frapper en fait quand elle m'envoie ses ombres ou ses hommes de main ou je sais pas quoi là. Et elle a les putains, enfin ses hommes de main, mais c'est juste les pouvoirs du Skull Earth. Allez, les bons petits coups de pied là. Il y a trop de pression, s'il te plaît, Fukua. Les amis là, je suis trop en pression, j'arrive même plus à parler, oui. J'y croyais pas. Je pensais vraiment qu'elle allait reprendre la situation en main et qu'elle allait péter la gueule juste à la fin quoi. J'aurais été tellement dégoûté. Quoi? Je combats encore double? Et je viens de battre Marie? Mais c'est quoi ce personnage? Les combats, ils sont à l'infini ou quoi, s'il vous plaît? Laissez-moi me reposer un petit peu là, j'arrête pas là. Je vais finir par crever moi à la fin de l'épisode, les amis. Vous allez me retrouver en zombie à la fin. Là, je suis trop sous pression. Mon double, ça va. Oh là 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 là, j'ai peut-être parlé un peu trop vite là. Double est en train de reprendre du poil de la bête, ça craint ça. Je lui pète la gueule parce que là j'ai eu assez de difficultés, je trouve, dans cet épisode. Terminer en beauté, ce serait plutôt cool, tu vois. Avec facilité et avec skill surtout. Voilà, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a, Doom? Qu'est-ce que t'espérais encore m'avoir, toi? T'es une grosse merde, Doom, c'est tout. T'es une grosse merde, voilà. Dites-moi que c'est la fin, j'en peux plus. Mais c'est pas possible. Je suis même pas contre Valentine. Putain, j'en peux plus de combattre comme ça. C'est du manque de respect de faire des trucs comme ça là, de me faire combattre comme ça à l'infini, c'est impossible. Ils attendent quoi? Que je meure? Valentine, je sais pas non plus ce qu'elle espère, elle, voilà. Elle est en train de se faire déglinguer par Fritos. Allez, voilà. Hop, elle sait même pas se relever. Ah putain, je suis un bâtard. Oh, il faut bien que je me venge hein, de tous les combats d'avant là. Allez, parfait, elle arrive même pas à se relever, regardez. Voilà, parfait, perfect, perfect. Quoi, on va m'envoyer Penwheel maintenant? Vas-y, on l'a pas encore eu, donc je suis sûr qu'on va avoir Penwheel. Et allez, il y a Penwheel. Comme par hasard. Oh, par contre, la carte est super belle. N'a jamais combattu sur cette carte là. Super stylé comme endroit. Penwheel, tu commences pas, hein. Tu commences pas à faire tes trucs là, à voler dans les airs. Tu restes au sol, voilà. Et je vais te faire même bouffer carrément la terre, moi. Voilà, moi je suis un comme ça, moi je rigole pas, j'ai pas le temps de niaiser. Ça va, on s'en sort vraiment bien là. Allez, je l'achève au sol, tac. Oh, mais pauvre Penwheel quoi.
Je suis en train de la dégommer, putain. Et voilà, le petit combat facile. Je sais pas si ça signifie que les premiers personnages sont beaucoup moins forts que les nouveaux là. Et en tout cas, franchement, il y a une grosse différence quand même au niveau de la difficulté. Et allez, on combat la Miss Fortune alors que j'ai déjà battu une Miss Fortune au début. Tout à fait normal. Je pense qu'en fait, ce personnage là, on combat tous les personnages du jeu. Et puis on va se réveiller tranquillou comme ça. Ça m'étonnerait pas. Oh là 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 là, je suis en train de lui faire du mal là. Je suis en train de lui faire du mal. Pour l'instant, je gère, hein. Vraiment là, vous avez vu comment je gère là pour les derniers combats? Mieux tant mieux, les amis, hein. Ça fait du bien un petit peu de reprendre le dessus et d'avoir l'avantage. Parce qu'avec ce que j'ai eu au début, je vous avoue, tu vois, que j'étais un petit peu en PLS. Mais là, là je remonte. Qui on n'a pas encore eu? On n'a pas encore eu Parasoul. On n'a pas encore eu Philia, il me semble aussi. Et ben voilà, quand on parle du loup, on envoie la queue. Maintenant, on se combat contre Parasoul. Allez, c'est parti là. Hop, il faut vraiment que je combat. Faut que je termine ce combat assez rapidement là. Que je puisse enfin un petit peu relâcher la pression. Là, dites-vous que j'enchaîne les combats quand même. Imaginez comment c'est stressant, comment j'ai la pression. En plus, il fait quand même assez chaud aujourd'hui. Du coup, j'ai grave chaud. J'ai qu'une envie, c'est de pouvoir me reposer, d'aller boire un coup. J'ai limite plus de voix. Allez, s'il te plaît. Allez, parfait, 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 Foucault. Franchement, ça va là. Tu fais plaisir là. Tu fais plaisir à Frifrit. Allez, boum, Parasoul. Cool quand même, Foucault. Elle est sympa, elle est sympa. Ah, j'avais oublié qu'il fallait se battre contre Peacock aussi. C'est vrai. J'espère que Peacock, elle va pas être trop chiante là pour le coup. Quand elle a envie d'être emmerdante avec tous ces petits trucs là, elle peut l'être. Et elle est pas si dégueu que ça. En plus, Peacock, c'est pas grave. Face à Foucault, elle a pas trop l'avantage. Donc, je dois continuer. C'est quoi les sortes de petites boules vertes qu'il y a tout autour de moi? C'est vraiment très très bizarre. Je sais absolument rien sur cette personnage là. Si ça tombe, quand j'aurai fini l'histoire de Foucault, eh bien, on aura rien appris sur elle. Je pense qu'il nous reste plus qu'un combat et que maintenant je dois terminer avec Philia. Ah merde, j'ai oublié Cerebella. Et fait chier. Allez, c'est parti là. Cerebella, putain, tu vas morfler comme toutes les autres, moi je te le dis. Ah, c'est sympa aussi cette carte là. Franchement, on a des nouvelles cartes et tout, c'est super ça. Vraiment un très bon jeu de combat, Skullgirl. Allez, vas-y, continue, continue, enchaîne les coups de poing, les coups de pied. Putain, ouais, parfait. Oh là 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 là, trop de skill. Bah là, je suis presque sûr qu'il reste plus qu'un seul combat. Ah ben voilà, c'est Philia. Et regardez, elle a l'air d'être très spéciale la Philia. Vous avez vu sa barre là, elle est en train de clignoter et tout. Quoi, ça c'est le combat final. Vous avez vu dans quel endroit on est? Très bizarre, c'est en noir et blanc. Est-ce que je suis le côté méchant de Philia? Je sais pas, mais si on termine avec Philia, c'est qu'il doit forcément y avoir une raison. Et j'ai hâte de voir si on en saura un petit peu plus après. Ah putain, elle est chaude. Elle est pas facile la Philia. J'ai oublié qu'elle était grave grave puissante. Là on combat presque à arme égale, mais faut pas que je lui laisse l'avantage. Philia, si je me fais enchaîner par elle, ça va être la merde pour moi. Regardez, voilà, regardez, regardez. Oh, yo, yo, yo. Oh, ce qu'elle a fait, vous avez vu, c'était abusé. Si j'aimerais trop faire ça, mais moi j'y arrive pas, moi. Ah, ça va être le combat le plus chaud, je crois. Un des combats les plus chauds, j'ai l'impression. Je suis pas encore au bout de mes peines là. Allez, Foucault, s'il te plaît. Arrête pas de bloquer là, Philia. La merde. Oh, vas-y, vas-y. Il faut que j'arrive à m'en sortir. Allez, petit coup de pieuvre là. Faut que je casse absolument sa défense parce que là elle défend tout le temps. Je sais même pas comment on défend comme elle là. Allez, parfait. Elle se relève, elle part tous mes coups presque. C'est grave difficile de la voir. Ça va être relativement long ces combats. J'ai vraiment pas envie de recommencer ce combat là parce qu'il est galère et il est super long. Vous avez vu comment elle bloque tout le temps à chaque fois mes coups. S'il te plaît, prends là, je sais pas, fais quelque chose. Par sa défense. Oh yo yo, putain, encore je l'esquive. J'ai même pas fait exprès, mais je l'esquive. Mais regardez, elle est même pas marrante. Elle arrête pas de bloquer tous mes coups. Mais elle a abusé, putain. Si le jeu commence à bugger là, ça va pas le faire. C'est pas vrai, mais allez, c'est même pas. C'est l'anti-jeu ce qu'elle fait là. Elle bloque tout. Ça va être trop chaud, ça va être trop compliqué là. Oh là 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 là, Philia, tu vas me gaver là. Philia, tu vas me gaver. Qu'est-ce que c'est chiant de l'avoir en face de nous. Non, non, non. Les amis, je suis en stress là. Je vais au moins recommencer 5 fois avant. S'il vous plaît, là, je sens que c'est la fin. Je sens qu'il y a peut-être moyen. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, j'ai trop recommencé avant là. Je suis à bout de nerfs. Bout de nerfs, j'imaginais même pas comment je suis en train de galérer depuis tout à l'heure. S'il te plaît, Foucault. Me fais pas ce coup là. Me fais pas ce coup là. Foucault. Oh oui, les amis. Désolé si je suis aussi expressif, mais j'ai commencé au moins 5 fois avant que je réussisse à faire ce combat. J'en voyais jamais la fin. Enfin! Et maintenant, c'est moi, Philia. Hein? Ok,
aimais LOL, quoi. Tous ces combats, toute cette pression pour une histoire comme ça, sérieux, on comprend absolument rien. Ok, les amis, là, j'ai même plus de voix, je suis dégoûté, j'ai fait plein de combats pour au final avoir une histoire qui dure quoi, 15 secondes. Ok, bah, les amis, si vous en savez plus sur ce personnage-là, n'hésitez pas à me donner des informations parce que là, voilà, je suis complètement largué concernant ce personnage-là. Moi, je dis que c'est plutôt un personnage bonus, c'est tout, voilà. C'est pour ça que j'ai hâte de pouvoir utiliser les autres personnages qu'on a vus en espérant que leurs histoires seront beaucoup mieux que celle-là. En tout cas, si ça vous a plu, les amis, n'hésitez pas à bombarder la barre des likes. Aujourd'hui, ça aura été l'épisode combat. On se retrouvera très vite, et bien, pour de prochaines vidéos. Sur ce, ma Fruit Family, je vous dis prenez soin de vous et portez-vous bien. Allez, ciao, ciao tout le monde!